Pour ce tirage sentimental, j'ai décidé d'utiliser des archétypes pour affiner et mieux cibler les personnes concernées par ce tirage. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces deux archétypes, alors je vous invite à écouter cette prédiction qui peut-être résonnera avec votre situation actuelle. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces deux archétypes, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sentimental. Ici, nous avons d'un côté le samaritain qui correspond à un profil de martyr. C'est une personne qui fait toujours passer le plaisir des autres avant le sien. Celui qui est toujours enclin à rendre service qui aurait presque tendance à se laisser marcher sur les pieds par peur de se retrouver seul ou mal aimé. Cette carte vous invite à vous demander si vous avez une forte propension à toujours voler au secours des autres, et si c'est le cas, on vous conseille de changer de stratégie, ou tout du moins de penser un peu plus à vous. On vous demande de réduire cette habitude d'être toujours dans le sacrifice, l'altruisme, le don de soi, et on vous invite à chercher la cause profonde de ce réflexe, avec pourquoi pas l'aide d'un thérapeute. Cette attitude peut à la longue nuire sur le plan relationnel, tant amical, social qu'amoureux. Retenez qu'il faut toujours être dans l'équilibre et que se faire passer en premier sans devenir égocentrique pour autant est un comportement sain d'estime et d'amour de soi. N'oubliez pas que pour réussir une histoire d'amour ou d'amitié, il faut avant toute chose s'accepter et s'aimer soi-même. Et croyez-moi, même si cela peut paraître une évidence pour certains, c'est un exercice périlleux pour beaucoup d'entre nous. Le deuxième archétype est le joueur. Ici on parle d'une personne instinctive, animale, qui écoute son cœur, son intuition envers et contre tout. On se jette dans le vide malgré les peurs ou les conseils avisés de l'entourage. Même parfois je ressens ici que l'on n'écoute que le goût du risque, on vit sa vie à la roulette russe, sans réfléchir, sans même écouter la petite voix intérieure qui dit Non, ne prends pas cette route. Je ressens ici quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir, quelqu'un qui n'a pas énormément confiance en, en lui, mais qui croit dans le hasard, dans le culot, et qui veut vivre sa vie sans avoir de regrets. Un peu un genre de défenseur de porte ouverte qui fonce et qui, au gré du vent, se prend des claques, des murs et parfois des bons points. C'est très bélier dans l'énergie. Je fonce et qui vivra verra. Un tantinet borderline, une attitude soit immature, soit quelquefois dépressive. Je fonce et qui vivra verra. Qui nous conduit à une forme d'auto-sabotage. Du style je saute sur toutes les occasions. Je vis l'instant, je suis dans le moment présent, je suis carpe Diem. ma philosophie est carpédienne et vogue la galère. Ce genre de personne, il est beaucoup plus compliqué de se poser et de construire une relation. Les énergies des protagonistes campées, on peut commencer le tirage et répondre à la première question qui est. Quelle est la raison de cette rupture Pour répondre à cette question, j'ai choisi l'oracle de Dark Mirror, la carte élue et le triomphe des mensonges. Ici, on peut voir une personne qui revêt un costume de scène, quelqu'un de très habile pour faire illusion, pour donner le change. Je ressens une personne qui aime briller en société, se faire valoir, qui, derrière des apparences de bon samaritaine, attend beaucoup plus de l'autre qu'elle ne veut bien l'admettre, quelqu'un qui attend plus que de la gratitude, de nourrir le sentiment de Tu m'es redevable, n'oublie pas ce que tu me dois, si tu en es là, si tu portes cette couronne, c'est par ma seule volonté. On est dans l'appartenance plus que le mensonge, on est presque dans une relation perverse de manipulation. Ou bien, ce peut être une personne qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Du genre je suis un sauveur, c'est dans ma nature, j'aide, je donne, je et je ne reçois jamais rien en retour le genre de personne qui joue les faux caliméros, qui en fait poursuit un but vil, celui de vous dépouiller de tout ce que vous possédez. Attention aux manipulateurs, attention aux mensonges, attention aux fausses promesses, où les fondations sont aussi solides que des châteaux de sable. Je ressens très fortement que derrière le bon samaritain se cache en vérité une personne matérialiste, qui, sous des airs de ne pas y toucher, recherche juste à vous spolier de vos biens. Ici on est sur quelqu'un de très cupide, une personne vénale qui est amoureuse, l'or sonnant et trébuchant. On me dit faites attention aux fraudes à la carte bleue et autres arnaques du genre. La deuxième question est quels sont ses sentiments sur la rupture Ici, pour répondre à cette question, on a tiré la carte de la rupture justement avec l'oracle des miroirs. Et entre la carte des mensonges et la carte de la rupture, pour moi, ces deux cartes se répondent en ce sens que cette personne, et je parle ici du bon samaritain, et selon moi, fatiguée de jouer un rôle, car au final, elle n'a pas pu aller au bout de son entreprise, elle, de son projet. Ses mensonges, sa duplicité ont certainement été découverts, sans compter que le partenaire, donc vous, euh, vous y êtes allé en mode euh, ⁇ J'y suis, j'y suis plus, euh, je suis là, euh, mais je ne m'attache pas ⁇ Je vis ma vie de papillon, ce qui, dans un sens comme dans l'autre, ne peut aboutir qu'à une rupture. Euh, Consenti. Je ressens ici plus une douleur égotique, un orgueil blessé d'avoir été pris la main dans le sac ou d'avoir perdu son temps pour une chimère, que de sentiments euh, profonds d'amitié ou d'amour. On cherche à aliéner quelqu'un qui est un courant d'air, quelqu'un qui ne se fixe pas, qui ne se projette pas dans le futur, On cherche à l'aliéner pour euh, le déposséder d'une certaine richesse. Mais euh, le partenaire est beaucoup trop aérien dans ses énergies euh, pour, se, pour se fixer et se laisser attraper. La troisième question ce que lui dit sa raison. Les guides nous ont envoyé la carte du printemps. Sa raison et son cœur aussi lui demandent de partir vers de nouveaux horizons. Je suis désolée de vous annoncer ça aussi crûment, mais c'est une relation sans amour, sans sentiment aucun, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit des personnes qui se rencontrent pour combler un vide, pour faire passer le temps ou tenter une nouvelle expérience quand d'autres sont poussées uniquement par un but plus vil, plus pervers, celui d'asservir une âme ou s'infiltrer par l'appât du gain ou même du confort que vous pouvez leur procurer à cet instant T. À la quatrième question, ce que lui dit son cœur, nous avons tiré l'avion. Il est bien évident qu'en prenant son envol, l'un des deux partenaires s'éloigne, laissant en bas un cœur en souffrance. Le chiffre 9 nous exprime la fin d'une relation, d'une histoire. Aussi, un besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée de renouveau plane sur la situation, car on voit bien que sur la carte, le ciel est nuageux, le bleu n'est pas très loin. Sur le tarmac, les lumières vont guider celui qui reste. La cicatrisation et la renaissance sont donc possible et cette renaissance fait écho au printemps qui parle bien sûr de renaissance, d'éclosion, de nouvel amour. Je rajouterai que son cœur lui dit tu ne l'aimes pas, donc libère-toi de cette relation superficielle avant qu'elle finisse par devenir toxique. Car une relation basée juste sur des échanges sexuels ou basée sur le mensonge, ce que j'appelle vulgairement les 3B, n'est pas une relation épanouissante sur le long terme pour l'estime de soi, ni même sur le court terme si vous voulez, mon avis. Car à la longue on finit par confondre sentiment amoureux avec habitude. Et dans une rupture, ce qui fait le plus mal, c'est bien l'absence de l'autre, c'est-à-dire la cassure d'une habitude que l'on avait instaurée. Donc si vous ne voulez pas souffrir inutilement, quand vous sentez intuitivement au premier contact, au premier regard, que la personne n'est pas la bonne, c'est-à-dire celle qui va vous épanouir, mais juste un casse-croûte de passage, ne vous l'aurez pas, et ne jouez pas les prolongations. Car une habitude s'installe dans votre mental, et donc va générer le manque et la dépendance affective à partir de trois semaines. Et après, notre cerveau est très fort pour nous embrouiller les neurones, nous emmêler les antennes, et nous faire croire que l'on est en mode love. Or, vous n'aimez pas cette personne. Cette personne est venue remplir un vide, un manque, une, une carence d'amour qui est juste instaurée par votre manque d'estime de vous-même. Commencez par vous aimer vous-même, ça c'est la clé essentielle pour réussir une relation. S'unir pour se sentir complet est un leurre qui mène toujours à l'échec. Quand j'entends je cherche ma moitié, je cherche mon âme sœur, je cherche ma flamme jumelle, je... nous avons été séparés à la naissance, etc. etc., nous ressentons tous ce manque qui est longuement développé dans les discours euh, d'Aristote et de Socrate, mais en même temps, c'est une illusion. Nous sommes complets puisque nous enfermons à l'intérieur de nous-mêmes la lumière divine, l'amour divin. C'est juste que nous l'avons oublié à notre naissance et que nous sommes persuadés à tort que l'amour passe forcément par l'autre, ce qui entraîne un déséquilibre parce qu'il suffit qu'il y ait un rouage qui ne fonctionne pas dans la machine pour que toute votre vie vous soyez confronté à marcher comme un canard boiteux. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple, dans une au sein même de votre foyer, vous n'êtes pas le préféré, vous n'avez pas l'amour absolu de votre mère, vous n'avez pas l'amour absolu de votre père ou de vos grands-parents. Déjà, vous allez nourrir cette carence. Et cette carence va être une brèche que vous allez continuer d'approfondir et de creuser en cherchant continuellement des gens pour vous rendre une illusion de complétude. Alors que cet amour et cette unité que vous cherchez, vous l'avez. En vous, vous pouvez la retrouver dans la prière ou vous pouvez la retrouver dans l'amour que vous portez à la nature, dans les arbres, dans les animaux, dans la mer, dans tout ce qui vous entoure. À la cinquième question, quelles sont ses intentions Au jour d'aujourd'hui, j'ai choisi mon propre oracle pour répondre et bien que je ne doive tirer qu'une seule carte, je l'ai laissé parler et mes guides m'ont envoyé six cartes. La première est l'ange Araël qui nous parle d'écoute, de faire des confidences, la deuxième est celle de la protection des ancêtres, la troisième la protection de Saint Antoine de Padoue, la quatrième celle de l'archange Sandalphon, la cinquième celle des défunts et en dos de deck nous avions celle des ancêtres. Et pour finir nous avons eu la carte de la manipulation, de la duperie, de la trahison. Donc, ici, tout dépend de vos croyances. Je vous demande de ne prendre en considération que la dernière carte. Quant à moi, je vais interpréter l'ensemble des cartes. Avec ange Araël et la présence simultanée de saint Antoine de Padoue, je ressens ici une personne seule, célibataire dans la vie, actuellement ayant pour seule compagnie des animaux. Et vos défunts qui de l'autre côté du voile vous envoient tout leur amour et leur protection. Une personne qui a longuement parlé à ses anges, à son animal de compagnie, car cette rupture vous a forcément blessé, plus que vous ne l'auriez imaginé, en tout cas, de façon disproportionnée par rapport à votre propre investissement affectif. Les ancêtres, les défunts, viennent me dire ici que cette relation n'est pas si anodine que ça. C'est une rencontre qui a été orchestrée par l'univers que vous avez vous-même inscrite sur votre chemin de vie. Cette relation est une relation d'âme qui est arrivée à point nommé dans votre vie pour vous faire prendre conscience de quelque chose d'important. Ici, les ancêtres et les anges insistent lourdement pour vous dire que vous devez cesser de répéter encore et toujours ces schémas obsessionnels qui nourrissent votre physique, votre mental, un bref instant au détriment de votre âme, de votre karma. Aussi bien l'un que l'autre, vous devez guérir une habitude toxique, et tant que vous n'aurez pas entrepris ce travail de déprogrammation, le karma ou l'univers vous resservira à l'infini ce plat réchauffé. J'ai l'impression que ici vous êtes arrivé à la croisée des chemins et ce lien d'âme est un déclic, un élément catalyseur pour vous mettre sur de nouveaux rails. Finissez ces plans qui polluent votre âme et votre cœur. Il serait peut-être temps pour vous de prendre vraiment de la hauteur et de discuter de tous vos ressentis, vos échecs à répétition avec un thérapeute ou tout du moins d'entamer une reconstruction de vous-même vous pouvez cheminer seul en vous appuyant sur des lectures si vous êtes autodidacte ces intentions aujourd'hui c'est justement de comprendre pourquoi toutes vos relations des deux côtés de la barrière ont toujours ce goût amer de la trahison de la manipulation en ayant ce rapport victime bourreau que l'on peut jouer soi-même à tour de rôle je vois souvent des bourreaux qui s'auto-victimisent et s'apitoient sur leur sort en s'attribuant le rôle de martyr. Dans ce cas-là, si vous manquez de lucidité au point de vous leurrer vous-même, la présence d'un thérapeute est indispensable. Pour d'autres, l'hypnose, la lecture, la réflexion, l'auto-analyse par l'écriture sont de très bons outils pour se sortir de ces cycles. À la sixième question, quels sont vos besoins J'ai tiré la carte du magicien, mais il est tombé la carte de la stabilité. Et pour finir, ce à quoi je peux m'attendre au final, nous avons tiré la carte du message, suivi du rejet que j'ai remis elle aussi dans le paquet. Pour conclure ce tirage, je dirais que vous avez besoin de vous faire confiance, d'arrêter de vous sous-estimer, de prendre conscience de votre plein potentiel. Vous avez besoin de rencontrer une personne authentique, sincère, qui remplisse votre cœur d'amour pour vibrer la magie de la vie et non pas d'une personne qui vous éblouisse par des tours de magie en vous jetant de la poudre aux yeux juste pour vous enfumer et vous manipuler. Pour finir, vous pouvez vous attendre à un éventuel message de sa part, plus par curiosité qu'autre sentiment, mais avec la carte du rejet, que je ne pense pas que vous repreniez une relation. Vous savez tous les deux à quoi vous attendre, et la vérité a éclaté si violemment entre vous qu'à mon sens il est peu probable qu'il y ait une quelconque réconciliation. D'autant que ce lien d'âme a été placé sur votre route pour vous faire évoluer et non pas pour rétro-pédaler dans la semoule. Donc cheminez vers d'autres aventures et je vous souhaite une très belle rencontre du fond du cœur.